L'environnement sonore est une des priorités sur lesquelles le Grand Lyon doit agir. Les associations sont des ambassadeurs de la société civile. C'est pour ça qu'on travaille avec elles. Sachant que nous, on avait un projet qui tournait autour du son, ça a fait tilt dans la tête du directeur et il nous a proposé donc de participer à ces ateliers. Depuis 1994, nous réalisons des animations sur tous les thèmes liés à l'environnement urbain. Ces animations se font essentiellement en milieu scolaire, maternelle, primaire, collège, lycée. Allez, c'est parti. Dans le cadre des animations sur l'environnement sonore, nous intervenons en deux temps. Le premier temps se fait en classe, où nous abordons avec les élèves les généralités sur le bruit. À travers des petites expériences, on essaye de définir en fait ce qu'est un bruit. Et on aborde aussi la notion de mesure du bruit, d'impact sur la santé, et puis essayer de voir avec les enfants quelle est leur situation à eux, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'ils vivent le bruit, aussi bien dans l'école que dans leur habitation ou dans leur quartier. Quand ma maman elle part au travail et que je rentre à la maison toute seule, des fois je mets de la musique, je fais mes devoirs en même temps, et des fois je crois que ça gêne un peu les gens parce que le sol il tape pour me demander de me taire. Et ensuite, dans un deuxième temps, on propose une sortie autour du quartier. Donc la balade dure environ une heure et demie, où on fournit des sonomètres aux élèves et ils doivent mesurer les sons à différents endroits de leur quartier. Ils ont été ravis, en fait, de manière générale, de l'atelier. Moi, j'avais un petit peu peur au début que ça fasse long pour les élèves, mais les supports, en fait, sont très variés. Du coup, les élèves n'ont pas le temps de s'ennuyer, ils sont vraiment attentifs, ils interviennent vraiment dans la classe.